Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo odierno, dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangéliste Saint Luc nous parle de Jésus qui, alors qu'il est en marche vers Jérusalem, entre dans un village et il est accueilli à la maison par deux sœurs, Marthe et Marie. Les deux offrent l'hospitalité au Seigneur, mais ils le font de manière différente. Marie est assise au pied de Jésus et écoute sa parole. Alors que Marthe est accaparée par les multiples occupations du service, et à un moment donné, dit à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tout te donne du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Étant accaparée par ses occupations, Marthe risque d'oublier, voilà le problème, risque d'oublier la chose la plus importante, c'est-à-dire la présence de l'autre, qui était Jésus. On oublie la présence de l'autre. Et l'hôte ne doit pas être tout simplement servi, nourri, soigné de toutes sortes. Il faut surtout l'écouter. Souvenez-vous bien de cela. Écoutez. L'hôte doit être accueilli comme une personne, avec son histoire, avec son cœur riche de sentiments, de pensées, de façon à que l'hôte puisse se sentir vraiment comme chez lui, dans une famille. Mais si tu accueilles un hôte chez toi, et tu continues de penser à autre chose, tu le laisses assis quelque part, personne ne parle. C'est comme si c'était un hôte en pierre. On doit écouter l'hôte. Bien sûr, la réponse que Jésus fait à Marthe lorsqu'il lui dit qu'une seule chose
dont on a besoin trouve sa signification pleine en référence à l'écoute de la parole de Jésus lui-même, cette parole qui illumine et soutient tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Si nous allons prier, par exemple, devant la croix, et nous parlons, et après nous partons. Nous n'avons pas écouté Jésus. Nous ne le laissons pas parler à notre cœur. Écoutez. Voilà, c'est un mot clé. Il ne faut pas oublier ce mot clé. Écoutez. Nous ne devons pas oublier que la parole de Jésus nous illumine, nous soutient, et soutient tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Mais nous ne devons pas oublier que aussi dans la maison de Marthe et Marie, Jésus, avant d'être Seigneur et Maître, est pèlerin et hôte. Donc, sa réponse à cette première et immédiate signification. Marthe, tu te donnes du souci jusqu'à oublier la présence de ton hôte, un hôte en pierre, pour l'accueillir. Il ne faut pas beaucoup de choses même. Il y a une seule chose qui est nécessaire, l'écouter. La parola, le mot écouter, l'écouter, lui montrer une attitude fraternelle, de façon à qu'il puisse se sentir comme chez lui, dans une famille, et pas dans un abri provisoire. Entendu comme ça, l'hospitalité, qui est l'une des œuvres de miséricorde, apparaît vraiment comme une vertu humaine et chrétienne, une vertu que dans le monde d'aujourd'hui risque d'être négligée. En effet, on multiplie les maisons de retraite, on multiplie donc les maisons de retraite, les hospices, mais dans ces milieux, pas toujours, l'on pratique une réelle hospitalité. On crée différentes institutions qui portent soutien à beaucoup de formes de maladies, de solitude, de marginalisation, mais diminuent la probabilité pour ceux qui sont étrangers, marginalisés, exclus, de trouver quelqu'un prêt à l'écouter. Puisqu'il est réfugié, étranger, il faut écouter son histoire douloureuse. Et carrément, chez soi, avec ses proches, il peut arriver de trouver plus facilement des services et des soins de différentes sortes plutôt que écoute et accueil. Aujourd'hui, nous sommes tellement pris par tant de problèmes, certains d'entre eux qui ne sont pas des problèmes importants, et nous n'avons plus la capacité d'écoute. Nous sommes affairés tout le temps, et donc nous n'avons pas du temps pour écouter. Je voudrais vous demander, vous poser une question. Chacun doit répondre en son cœur. Toi, mon mari, est-ce que tu écoutes Marie, est-ce que tu écoutes ton épouse? Et tout, femme, écoutes-tu ton mari, ton époux? Vous, les parents, avez-vous du temps? Du temps à perdre pour écouter vos enfants
ou vos grands-parents, les anciens. Oh, ils sont ennuyeux, les grands-parents, mais ils ont besoin d'être écoutés. Écoutez. Je vous demande d'apprendre à écouter et de dédier plus de temps à l'écoute. Dans la capacité d'écoute, il y a la racine de la paix. Que la Vierge Marie, mère de l'écoute et du service empressé, nous apprenne à être accueillants et hospitaliers envers nos frères et nos sœurs. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucea teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, nei nostri cuori, en nos cœurs, vive la douleur à cause de l'attentat que le soir de jeudi dernier à Nice a fauché tant de vies innocentes et même tant d'enfants. Je suis proche de chaque famille et à toute la nation française en deuil. Le Dieu, bon Père, accueille toutes les victimes dans sa paix, qui soutiennent les blessés et réconforte les familles. Qu'il disperse tous les projets de terreur et de mort afin que aucun homme n'ose plus verser le sang de son frère. Une accolade paternelle et fraternelle à tous les habitants de Nice
et à toute la nation française. Et maintenant, ensemble, prions en pensant à ce massacre, aux victimes, aux familles. Prions d'abord en silence. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Saluto con affetto tutti voi, fedeli de Roma. Je vous salue vous tous avec affection, fidèles de Rome et de différents pays. En particulier, je salue les fidèles venus d'Irlande. Je salue les pèlerins des diocèses de Armagh et Derry. Et les candidats au diaconat permanent du diocèse de Elphin avec leurs épouses. Je salue le recteur et les étudiants de la deuxième année du séminaire pontifical théologique Calabre Saint-Pie-X. Les adolescents de Spinadeco, du diocèse de Cremone, les jeunes de la communauté pastorale des saints apôtres en Milan, les ministrants de Postioma et Porcellengo, du diocèse de Treviso. Et je vois aussi ai bravi fratelli cinesi, nos frères chinois. Je vous salue, vous les Chinois. A tutti auguro. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Per favore, et s'il vous plaît, non dimenticatevi di pregare, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo, bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous avons vécu un moment très fort. Vous avez entendu le Saint-Père prier pour les victimes de ce massacre qui a eu lieu jeudi soir à Nice. Nous sommes tous très touchés. Merci Saint-Père. Et donc nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédia ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.